Toby, on va au concert de Céline Dion. Là, Céline Dion, je peux venir? Non! Il faut que t'ailles à la réunion. Bon, je tiens pas tant que ça à y aller, en fait. Toby, c'est une école pleine de petites écolières. Tu m'as convaincu avec ton école pleine de petites écolières. Hasta la vista, gringo. Adios. Quoi encore? Toby, habille-toi, c'est bientôt l'heure d'aller à la réunion. Tada! C'est notre rideau de douche? Plus maintenant, mon lapin, c'est une cape. Bon, d'accord, nouvelle règle, pas de cape, tu n'es pas un super-héros. Pourtant, j'ai le don de lire dans les pensées. J'aimerais tellement avoir une cape comme Toby. Je préférerais avoir encore un rideau de douche. Quelle nouvelle du front de l'emploi? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sauf quand on cherche un boulot, auquel cas c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas, je suis très optimiste au sujet de ce poste de libraire. Je te jure, les recruteurs étaient littéralement sur le cul. Il y a des fois où tu devrais te regarder longuement dans un miroir et dire « Je ne comprends pas le sens du mot littéral ». Et nous faire la cuisine, t'en es capable? Il y a toujours un risque. Oh, je vais vous faire mon célèbre poulet surprise. Le secret est de le cuire en le laissant un peu rose en son milieu. On ne fait pas ça avec du poulet. Surprise! Jamie, je peux entrer? Tu ferais bien de te préparer. La réunion parents-professeurs est dans une heure. Écoute, tu ne peux pas nous cacher des choses pareilles, Jamie. Parce que si tu fais ça, on passe pour des idiots. Et puis, ce genre d'événement scolaire, c'est pour ton bien. Joue pas au crétin avec moi. C'est Toby qui va t'emmener. Quoi? Allez, ça va bien se passer, crois-moi. J'ai tout fait flamber,